Et salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien et bienvenue dans le monde d'Anto. Moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Super Mario Galaxy. Dans le premier épisode, souvenez-vous, il y a eu la première rencontre avec Bowser. Donc lui et ses sbires ont emporté le château, on s'est retrouvé sur une petite planète. Puis après on a sauvé une première grande étoile et on s'est retrouvé ici. Et on a fait également une première galaxie du dôme. Donc aujourd'hui on va continuer l'aventure. J'espère que cette série vous plaît toujours. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Tu as dû remarquer les étoiles qui ont brillé un peu partout. Ouais, non mais je l'ai fait ça, il se fout de ma gueule. Bon, tant pis, on va le refaire. Hein. Ce qu'il veut. Hein. Je l'avais déjà fait, mais bon. Fais un essai. Ouais, ouais. Vas-y, fais ton essai, là. Hop. Hein. Hop. Hop. C'est bon. On a fait son truc, il est content. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure. Enfin, on va essayer. Enfin, c'est pas on va essayer, on va continuer l'aventure. Là, on a deux étoiles. Il suffit qu'on trouve encore une étoile, puis après, on débloque cette partie-là. Mais bon, on va quand même essayer de trouver toutes les deux étoiles qui sont dans cette galaxie. On va tout faire dans l'ordre. Puis après, on va essayer d'aller vite. Comme ça, en troisième épisode, on peut essayer d'avoir une première confrontation avec Bowser. Ou Bowser Junior, on verra. Mais bon, moi je vais aller vite parce que les galaxies, comme je vous ai dit, je les connais bien. Je connais bien le jeu, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Hop, on va déjà essayer de choper des fragments. On va en trouver un peu ici, avant d'aller là où il faut. Parce que vous allez voir qu'il en faut, des fragments pour là où on va aller. Ça vous spoil un peu, hein, j'en suis désolé si vous êtes autorisé à m'engueuler si ça vous spoil. Alors que vous voulez découvrir. Mais bon, c'est pas grave, moi je connais bien le jeu donc je m'en fous. Engueulez-moi dans les commentaires. Bref, au lieu de faire le coin de bavarder, on va plutôt y aller. Oh bonjour, tu te souviens? Tu peux tirer des fragments d'étoiles, ouais je sais. Avec clic gauche, vise bien ta cible avec le curseur étoile et appuie sur B. Ah voilà, c'est curseur étoile que ça s'appelle. Putain, je vais chercher le nom. Vous n'aurez pas pu me dire dans les commentaires de la présente vidéo. Je rigole, hein, bien sûr. Bref. Et moi, j'avais oublié le nom exact de cette étoile bleue. Oh, bonjour. Par là, il y a un de mes camarades très gourmand. Si tu le rencontres, tu voudras bien écouter sa requête. Le camarade gourmand, c'est celui avec qui il nous faudra plein de fragments étoiles. Vous allez voir pourquoi. Et sans ça, on ne pourra pas continuer la galaxie. Vous allez voir. Ah, des petits lags, mais c'est pas énorme. Bon, on va quand même essayer de trouver des fragments d'étoiles. Ça peut toujours servir. Hop. Je dégage. Il me semble que si on fait ça... Ouais, voilà. Non! Ah, merde. Ah, on a une vie. Ah oui, c'est vrai que dans... Si on atteint 50... tous les 50 fragments d'étoiles, en fait, on a des vies, en fait. J'avais complètement zappé ça. Et dans le Galaxy 2, il me semble que c'est 100. Enfin, c'est pas il me semble, c'est je le sais. Hop. Je sens qu'on va même pas passer par cette galaxie, on va directement aller vers l'autre. De toute façon, il me semble que c'est 30 qu'il en faut. Donc on a le compte. Si c'est pas ça, j'irai faire un tour sur les autres galaxies. Hein. Et si c'est pas ça, bah honte à moi. Bonjour. Ding ding. Et toi là, tu n'auras pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein, plein, plein. C'est comment, hein? Je veux des fragments d'étoiles. Ah, c'est 100! Ah, merde! J'en ai pas assez, moi. C'est pas grave, on va déjà lui donner ce qu'on a. Et on va essayer d'en choper d'autres. Putain, mais merde! Bon. Tant pis, hein, on va essayer de... Déjà, on va essayer d'en trouver là. Si par chance, on en trouve, tant mieux. Sinon, on retournera sur les deux galaxies. Hein. Putain, mais merde! Et dire que je pensais que c'était 100. Bon, tant pis. Hein. On a fait une connerie, hein, que voulez-vous? Enfin, j'ai fait une connerie. Attendez, on. Ah! Non, on va pas faire ça. Sinon, on n'aura pas de fragments. Attends, je vais voir combien il en reste. Parce que ça se trouve. Je suis presque. Ah, bah nickel. C'est bon. Là, il aura le compte. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je repasse sur les autres galaxies, mais en fait non.
je suis tranquille. Et voilà pourquoi, en fait, il faut oublier. Là, c'est pas une étoile mystère qu'on va voir. Il faut absolument qu'on passe par cette galaxie. En fait. C'est pour ça que si vous n'avez pas le compte qu'il faut, vous pouvez pas continuer. Donc bon. Là, je vais rechoper une pièce. Une petite piécette. Par contre, vu que je n'ai pas envie de faire le parcours, hop les. Hop les. Ah merde! Bon, tant pis. C'est pas grave, il y a une pièce. Attends, mais vu que je suis un noob. Le pire noob que je suis, quoi. C'est dingue. Je suis pas censé être un noob alors que je connais bien le jeu quand même. Hein. C'est pas grave. Hein. Et là, on va atterrir ici. Et là, il va falloir qu'on fasse le parcours. Fais chier. Bonjour. Donnez-moi des fragments. Donnez-moi des fragments. Merci. Wouhou. Ok, donc le trou, il est là. Le trou, esprit mal placé, bonjour. Bien sûr, j'agole, hein. Faut bien rigoler, dans la vie. Hop. Là, c'est soit en haut, soit en bas. Donc là, bon, faut pas se tromper. Ouais, là, par contre, c'est chiant, là. Faut qu'on fasse le tour et qu'on arrive ici. Okay. Là, si on se rate, on est mort. Bonjour. Non, je vais peut-être attendre. Sinon, c'est ma vie qui passe. Ah, mais merde. Voilà, c'est mieux. Nickel. J'ai pas le temps de m'occuper de vous. J'ai une étoile. Allez, récupérer. Putain, on va vite. Putain, une galaxie, c'est pas rapide, hein. C'est 7 minutes de vidéo, déjà. Bon, après, je vais pas regarder un peu. Hein. Bon. Je pense sur 5 minutes, je la fais. Hop. Merde. Ouais, là faut qu'on chope tous les fragments de petits anneaux étoiles bleues là, ou de curseurs et étoiles comme on dit, parce que sinon on ne peut pas choper l'étoile. Et là il s'agit de faire un peu d'acrobatie, et vu que je suis noob. Voilà. Quand même. Voilà. Vu que je suis une merde, vous avez obtenu une super étoile. Ce qui nous en fait 3. Hé hé, moi je suis fort. Hein. Vous avez trouvé une étoile planète œuf, un appétit cosmique. Nouveau record, c'est. Ah, une nouvelle. Ah oui, c'est la galaxie où il faut 3 étoiles. Bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Oh, bravo! Grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus notre champ de vision s'agrandira. Jusqu'à ce que nous puissions enfin découvrir la base de nos ennemis. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai autre chose à faire, moi. Donc, je pense. Tiens, on va aller là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste découvrir. On va pas y aller tout de suite. On va d'abord finir celle-là. Et la nouvelle, on ira après. En plus, il me semble que c'est un mini-boss. La troisième galaxie. La flotte de Poulbobos. Tiens, des vaisseaux. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, je peux les faire sortir comme ça maintenant. Ah, c'est légal ça. Bref. Ok, donc faut qu'on aille ici. Et vu que j'ai la flemme de faire le parcours normal, on va faire un truc. Déjà, je vais vous détruire. Et hop, et. Ah, mais. Je sais que vous voyez ce que je veux faire. Voilà. Non. Ah, quand même. Enfin, j'ai réussi. Vous savez ce qu'on appelle ça? La flemme. Voilà, c'est bien. Moi, j'ai la flemme.
Ouais, tiens, coucou toi. Merci Mario, pour te remercier, je vais te révéler une astuce. S'il y a des trucs piquants que tu ne peux pas approcher, lance-leur des noix de coco en appuyant sur molette. D'accord. Oui, donc en tournant, quoi. Par contre. Où c'est qu'il y en a? Ah, voilà. Puis on va l'emmener par là-bas. Parce que il me semble que c'est le gros truc piquant. On va juste lui faire ça, hop. Nickel. Oh tiens, salut toi. Je t'ai eu. Et vous savez ce qu'on appelle ça? La rapidité, le talent. Bon, tuyau. Alors non, juste avant, j'ai un truc à faire. Je vais aller voir un truc dans le tuyau. Hop là. Genre parce que dans les galaxies, ils mettent toujours des endroits qu'on ne va jamais. Et c'est un peu dommage. Oh tiens. Je suis un arc-en-ciel. Ah ouais? Bon, par contre, on va vous détruire, vous. Ouais! Et ce qui me fait plein de fragments étoiles. Et plein de vie aussi. Ok, là par contre, si on touche l'électricité, on se prend une grosse décharge. En même temps, ça paraît logique. Hein. Faut pas que je vous touche. Ah, ok, j'arrive pas à monter. D'accord. Oh tiens, des billeballs. Oh, mais je suis deg, il aura pu le défoncer le chompe. Bon, c'est pas grave. Hein. Et là. Ok, 12 minutes de vidéo, ça va, ça passe. Là, on arrive sur le vaisseau et il va falloir qu'on aille sur la galaxie au-dessus. Et vous allez voir, on va pas y aller de main morte. Bonjour. Touché. Ah, je vous ai dit qu'on irait pas de main morte. Hein. Et avec moi, on résiste pas. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous croyez que vous allez résister contre moi? Je crois pas, non. Hop là. Excusez-moi. Ok. Ok, je sais pas ce qu'il y a eu. Oh tiens, un luma, bonjour. C'est dangereux par là. En cas de besoin, tire des fragments étoiles sur les lumières au sol. Ouais, ces petites lumières là. Tu feras pousser des pièces qui régénèrent ton énergie. Ouais, c'est bon mon cul, ouais. Bref. Et là, le mini-boss. À chaque fin de galaxie. Enfin, oula merde. Sur au moins la troisième galaxie, il y aura des mini-boss comme ça. Dans mes souvenirs, c'est toujours ça. Bon, par contre, si tu permets. Hop. Ok. Ouais, là, il peut esquiver. Enfin, renvoyer plutôt. Et là, il s'énerve. Comme toujours. Comme tous les mini-boss, on connaît. Ok. J'ai failli rater. Tintin. Comme il y a eu. Putain, j'ai failli rater. Oh bah, il est juste là. Bon, heureusement que j'ai le QI d'Einstein. Et oui, hein. Je vous l'ai dit, hein, ce jeu, je le prends en main comme si c'était ma femme, par exemple. À savoir que j'en ai pas de femme, donc. Bon. On dira rien, hein. On a fini la galaxie. Enfin, on l'a pas fini entièrement. Parce que si vous connaissez bien les Mario Galaxy, vous savez qu'il y a des étoiles gommettes. Donc là, on va pas encore les avoir. On les aura un peu plus tard. Donc bon, c'est pas grave. On va aller ici. On va essayer de faire les 3 étoiles. Si on n'y arrivera pas, on va essayer de faire au moins 2 étoiles. Et si on a le temps, on fera la 3ème. Envole-toi, Mario Abeille, pardon. Et là, nous sommes au royaume des abeilles. Là où il y a notre bon miel qui est fait. Ouais, je connais la musique, hein. Oh, tu sais quoi, c'est lag.
Ah non, ça va. Tu es ici sur notre territoire, le royaume des abeilles. Il est gouverné par sa majesté, la reine. Et bah c'est parti, let's go. Ok, donc c'est pas mal. Attends, ce... Eh, le nouveau, va sur sa majesté. Ouais, bah si je la trouve, hein. Je sais où elle est, mais bon, quand même, hein. Putain, ça lag un peu quand même, hein. Mais bon. Ok. Allons ici. Oh! Un champignon abeille. Puisque c'est un champignon abeille, vous savez ce qui va se passer. Je pense qu'on va en avoir besoin. Vous êtes devenu Mario Abeille. Maintenez A enfoncé pour vous envoler. Waouh! C'est beau ça. Ouais, c'est bien, ça, il nous faut. Il nous fallait ça pour qu'on puisse. Ah, mais dégagez, merde! Oh, je les ai tous eu d'un coup. Merci. Ok, sa majesté, elle est là. Tiens, il y a un truc. Une vie. Et là, il me semble qu'ici, il y aura une étoile mystère. Sur laquelle on verra un peu plus tard, je pense. Ok, ça ne suffit pas. Donc, je sais ce qu'il va nous falloir faire. Ah, ça ne marche pas. Bon. Il faut passer ce mur pour atteindre le château. Nous autres, les abeilles, disons toujours la vérité. Oui, mais... Un peu d'aide serait pas mal, hein. Ah, si, c'est bon, je pense. Voilà, nickel. Et ça, si je dis pas de conneries, on ne peut pas aller dessus, sur ces trucs-là, quand... Quand on n'est pas en abeille, donc bon. Ah, par contre... Voilà. Oh tiens. Oula. Oh merde, j'ai fait tomber. Faut dégager. Hop. Ok. Ah ouais, donc là, il y a pas mal d'eau. Donc là, si on fait une connerie... C'est bon, on n'atterrit pas... Là, je pense qu'il va falloir monter. Mais je... Ah si, c'est bon, il y a quand même une... Il y a ce qu'il faut. Ah oui, là, il y a... Quand même pas mal de jets d'eau. Bon, on va éviter de les toucher. Ce serait pas mal. On va plutôt essayer de... C'est bon. Je me suis dit, putain, on n'aurait pas assez de temps pour... pas assez de vol pour arriver là où je veux, mais bon, si. Heureusement. Et là, il nous faut escalader. Par contre, je ne sais jamais le sens. Si, c'est bon, nickel. Ça va, je peux me retrouver. Je vous rappelle que j'ai le cul d'Einstein, donc je me retrouve. Dégage, toi. Ouais, j'en ai raté un, c'est pas grave. Oh, bonjour. Tiens, qui es-tu? Un nouveau sujet? Enfin, peu importe. J'ai un service à te demander. Ça me gratte un peu partout. Peux-tu bien jeter un œil? D'accord. Pas de soucis. Oh, tiens. Des bouts d'étoiles. La plus grande des abeilles. Oh tiens. Oh tiens, ça y est. Merci à toi, nouveau sujet. Je me sens bien plus propre. Je ferai appel à toi si j'ai besoin d'autre chose. Alors, la personne qui te rend service, de base, c'est la princesse Peach, hein, mais bon. La preuve, je dois la sauver. Putain, par contre, c'est ça lag un peu. Ça lag. Je sais pas pourquoi. Oh, bonjour. Ah, une abeille. Tiens, Mario, c'est bien toi? Nous aussi, nous avons réussi à nous enfuir du château de la princesse Peach. Mais pendant notre fuite, Bowser nous a attaqués. Et nous avons été séparés de Luigi. Ah, au fait, nous avons trouvé une super étoile. Prends-la. Je suis sûr qu'elle te sera utile. Oh oui, qu'elle me sera utile. Hein. Si tu savais à quel point, mon gars. Merci. Prends la super étoile. D'accord, avec plaisir. Ah, quand on me demande, hein. Je suis preneur, hein. 19 minutes de vidéo, ouais, bon, je pense qu'on va faire une... Par contre, l'éclairage... Ouais, si, c'est bon. Je pense qu'on va faire encore une galaxie, puis... Puis on s'arrêtera. Envole-toi, Mario Abeille. 5 étoiles. Ah, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Une nouvelle galaxie a été découverte. Ok, je pense... Non, ce n'est pas la galaxie avec Bowser, c'est plutôt un bloc, je pense. Mario, c'est bien ainsi que tu t'appelles.
C'est bien ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, Mario. C'est ce que m'ont dit tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure. Mario, je ne sais pas pourquoi, ce nom me rend nostalgique. Bah dis-le que tu m'aimes aussi. J'ai conduit tes amis au garage. Il semblait avoir des choses à te dire. Tu devras vite aller les voir. Et bah vous savez quoi, j'irai les voir après. Je vais d'abord... Non, je vais aller voir maintenant, puis je ferai la galaxie après. Hop les. Hop les. Bonjour. Mario, je ne sais pas trop comment, mais nous sommes... Mais nous aussi, nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous allons t'aider à secourir les super étoiles et à presser Peach. Tu peux compter sur nous, Mario. On verra. Nous nous trouvons donc sur la base mobile de cette harmonie. Mais qui est-elle donc? Serait-ce une sorcière? Pas du tout. Non, bien sûr que non. Je me demande bien qui peut être Harmonie. Et bah tu le verras, putain. Les Numas vont nous aider à construire un vaisseau spatial. Quand il sera terminé, nous pourrons chercher avec toi la princesse Peach et des super étoiles. J'ai hâte de voir le vaisseau spatial. Ce vaisseau a été conçu spécialement pour les Toads. Et bah Yank, nous avons 11 vies et nous allons faire... Nous allons essayer de faire la galaxie. La prochaine. On va essayer, je dis bien. Ok, donc ça c'est ça. On va découvrir, tiens. Ça on le fera dans la prochaine vidéo. Nous allons déjà essayer de faire tout ça. 21 minutes de vidéo, ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps de... On n'aura peut-être pas le temps de faire la troisième galaxie du royaume des abeilles. C'est pas grave, nous aurons fait une bonne partie. Enfin, une petite partie. Parce que bon. Bonjour, c'est encore moi. Ouais, par contre, ici, il y a quand même pas mal de lag. Hein. Mais bon, nous allons devoir faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Ok, donc là, on n'a plus le champignon. Abeille. Là, on va devoir faire 100. Mais je pense que pour cette galaxie, c'est tout à fait normal. Ok, donc là, hop. Ok. Faudrait que ça fasse un seul bloc qui libère plein de fragments. C'est dommage. Ok. Ok, normal. Bon. Qu'est-ce que nous avons là? Ok, je pense que c'est pour les fragments, donc on va pas le faire. Oh tiens, un bon. À savoir que ces trucs-là, il faut bien... Faut pas faire attention à ne pas les énerver, parce que sinon, tu te fais... Ils deviennent tout rouges. Je pense que vous connaissez. Ok. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce panneau? Hey, je suis le grand panneau d'affichage. Panneau d'affichage. C'est un panneau. Si tu veux savoir comment escalader ces murs, écoute-moi bien. Saut contre une paroi, puis appuie sur A pour faire un saut mural. En enchaînant plusieurs sauts muraux, tu peux atteindre des sommets. Alors saut maintenant sur le mien. Oui, je sais, je connais. Je ne suis pas con, j'ai déjà joué à Mario Galaxy durant mon enfance. Comme ça. Hop, hop. Et je sais que je ne suis pas seul. Car à l'internat, il y en a un qui s'appelle VG, qui joue aussi. Sur Switch. Manifeste-toi dans les commentaires. Ok, donc là, on aura. Hop. Bonjour. Oh putain, les lags. Pourtant, hier, ça le faisait pas. Hein. Donc bon. Tant pis, on va devoir faire avec, hein, mais bon. Là, ça va, ça a l'air d'aller. C'est surtout quand on change de planète avec un anneau que ça lag. Je vais vous faire une démonstration. Attendez, on va attendre qu'il passe. Ouais, vous avez vu? Ok. Il nous a eu, cet abruti. C'est bon, on l'a eu. Ok, une pièce. Putain, c'est dommage que ça lag comme ça. Yeah! Comment il dit? Quand il arrive sur une planète. Yeah! Bon, merde, c'est pas grave. Ok. Ah, mais c'est pas vrai, merde!
C'est bon. Oh tiens. Votre énergie montée à 6. Elle redeviendra normale si elle tombe à 3. Ok, donc là c'est de la super énergie, d'accord. Donc là on va devoir faire de l'escalade. Et pas la même escalade qu'on fait au lycée, hein, au collège ou je ne sais où. Hein. Là c'est vraiment de l'escalade à la Mario. Donc bon, moi je m'en fous, hein, j'ai habitué à l'escalade. Hein. J'en fais au lycée. Les camarades de classe, manifestez-vous. Ok. Là c'est comme un mont de charge. C'est comme une grande roue. Sauf qu'il n'y a pas d'arrêt, tu te démerdes pour monter. Oh, un mini-boss. Ok. Donc là, il va falloir niquer ce mec. Et ensuite, niquer l'autre qui devient énervé. Sauf qu'avec moi, ça devient facile. Et bam. En deux spies, c'est fait. Ouais, je pense. Est-ce que... Ouais, on va tenter. On va tenter la dernière galaxie. Je pense qu'on aura le temps. Si on traîne pas. Et puis au pire, bah, on fera le troisième épisode. Ce sera les deux blocs et la première confrontation avec Bowser. Avec Bowser Junior, si je me trompe pas. 6 étoiles. Voulez-vous sauvegarder? Oui. On va pas traîner. Là, ça sera... Là, ça aura été un épisode spécial Mario Abeille, je pense. Donc bon, on dira rien. Hein. 8 discounts, s'il vous plaît. C'est bon. Le clan Scarabée, contre-attaque. Ok, donc là, c'est sûrement à cause du... Ah voilà, ça, c'est un mini-boss, ça. Oh, tiens. Ils sont nombreux, dis donc. Hein. Ils feront pas le poids contre moi. Vous allez voir. Ah, la musique a changé d'un coup. Hein. Bonjour. Wow, le clan Scarabée nous attaque. T'inquiète pas, ils feront pas long feu avec moi. J'en ai raté un. C'est pas grave. C'est bon. Hop. Ok, donc là, faudra passer par là. Ok, donc là, je pense qu'il faut aller là-bas sans se faire toucher par les bulles. Ce qui, avec moi, est possible. Ah, raté, merde. Ok. C'est bon. Hop. C'est bon. Bonjour. Nos voisins nous font encore des misères. Dis-moi, tu voudrais bien leur faire entendre raison? Bien sûr. Je vais aller leur dire de la fermer. Ok, donc là, on arrive directement ici, d'accord. Bonjour. Ah, donc là, on arrive directement au boss. Très bien. Ok, donc là, si on tombe, on est mort. On tombe dans la galaxie. Ok. Et là, le drame. Putain, cette galaxie, elle va vite, hein. En même temps, c'est juste un mini-boss. Bam! Dans ton cul. Là, il commence à se vénérer un peu. Donc là, il vole juste, je pense. Ok, donc il balance des... Ok, il a fait demi-tour. Merde, pas assez. Ok, c'est bon, tu fais demi-tour. Ce qui va me permettre de te buter les fesses. Hop. Et là, il est vénère entièrement. La preuve, il est rouge. Donc là, il est vénère, par contre. Donc là, on va essayer de l'avoir comme ça. Yes! Je l'ai eu. Je pense que c'était le roi des scarabées. Maintenant, c'est fidèle. Ils n'auront plus personne comme chef. Ils arrêteront, j'espère, d'emmerder les abeilles. Hop! C'est bon, on a fini. La galaxie, royaume des abeilles. Donc on enchaînera la suite plus tard. T'as vu, j'ai le moussage. Vous avez trouvé une étoile. Royaume des abeilles, le clan Scarabée contre-attaque. Est-ce qu'il nous fait cette étoile? Excusez-moi.
Une nouvelle galaxie a été découverte. Ok. Un goinfre lui est apparu. Oh tiens. Tiens, un goinfre. Voulez-vous sauvegarder? Oui. On va aller le voir, puis après on arrêtera là. Non, non, vous savez quoi? On fera la suite plus tard. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé ma touche pour faire pause. Et ça va m'énerver, je sens. Si vous savez c'est quoi, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que je suis bien emmerdé. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que cette deuxième épisode de Mario Galaxy vous aura plu. Comme d'habitude, la suite arrivera bientôt. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et activez la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Et du coup, c'était Le Monde d'Anto. Prenez soin de vous et d'autres. Allez, salut tout le monde!